l'humidité avec une mini, alors qu'on est à 154 Alex, Billy Billy, est-ce que c'est une surprise aujourd'hui de le voir gagner ce SMIC classique? Oui, totalement, parce qu'on venait de courir les prix de série. Il avait gagné son prix de série, et puis par la suite, il a été battu par un cheval à Sébastien Garato. Donc, quand on arrive des prix de série, qu'on tape dans le haut niveau, bah forcément, on s'attend déjà à prendre une place. C'est un cheval en plus qui est compliqué? Oui, il est très compliqué. C'est un cheval qui a un gros moteur, mais qui n'est pas encore réglé. À côté de ça, avant le coup, on avait entendu dire qu'il avait une course fermée et que ton père avait préféré courir le SMIC classique. C'était vraiment que le cheval, il devait très bien le sentir le matin. Bah, je vais rien vous cacher. En fait, normalement, c'est moi qui le prends le matin. Et puis, trois derniers boulots, j'ai dit, vas-y, fais-toi plaisir. Et puis, je crois que ça lui a plu parce qu'il a préféré courir le SMIC classique et bon, lui en a pris. Et là, les sensations, au départ, t'as assuré et t'es venu en progression. Bah ouais, mais j'étais carrément pris de vitesse. Après, quand j'ai vu les chronos intermédiaires, je me suis pas affolé parce qu'il y avait beaucoup de trains. Et après, je sais qu'il est tellement dur que de faire le dernier kilomètre, ça lui aurait pas posé de problème. Est-ce que tu avais la mesure toute la ligne droite de Bert Parker? Il est bien reparti avec moi aux raquettes. Et puis oui, au poteau à damier, aux 200 mètres, je savais que j'allais venir le cogner, je sais pas quand, mais je savais que j'allais venir le faire. Et Bomba, est-ce que tu avais la pointure ou elle était partie pour la gloire? Je sais pas, Mathieu paraît sans difficulté, hein, il avait qu'une reine. Je sais pas du tout si on a arrêté à chercher, mais je pense qu'on refaisait un petit peu de terrain. Faut voir si elle se serait relancée. On pense au prix de Vincennes maintenant, évidemment. Bah voilà, maintenant on a soit un semi classique, soit une course fermée pour le repréparer. On va essayer de préparer ça au mieux. Après, les bons vont être à 100% pour le prix de Vincennes. Là, ils n'étaient pas tous à 100%. Donc à nous de le faire progresser dans son embouchure et tout pour être à l'arrivée du prix de Vincennes. Philippe, le Bomba, c'est dommage, on sent qu'elle était prête à aller au bout. C'est comme une bombe, elle explose à n'importe quel moment. Quoi. Voilà, c'est comme ça, elle est un peu vache, c'est dommage, c'est quand elle a changé d'axe. Mais elle avait embêté au 8, c'est une jument particulière, malheureusement, c'était presque un groupe 2, on ne peut pas dire que c'est facile un groupe 2, mais c'est, pour moi c'était fait, elle a repris deux longueurs en train droite, c'est quand elle a changé d'axe, elle s'est trompée, mais je crois que Mathieu l'avait sur une main. C'est vraiment une jument difficile à brider. Quant à Bird, lui... Pas le vrai cheval monté, il n'a pas été très bon, je ne l'ai pas trouvé bon, il a relevé. Puis Johan ne veut pas lui mettre de débouche-oreille, malheureusement, il est très froid, alors il préfère lui taper dessus plutôt que de tirer dessus avec un débouche-oreille, c'est une erreur tactique à mon avis. Voilà, couru après la jument derrière en montant, il s'est un peu cassé les jambes, c'est un petit peu de poids pour aller monter, c'est pas le vrai cheval monté. Et puis j'aurais préféré qu'il ait un débouche-oreille, voilà. Forcément déçu? Ouais, déçu. Bird, il fait toutes ses courses, il n'a jamais été plus loin que deuxième, il aurait été troisième aujourd'hui, parce que la jument aurait gagné. Ouais, déçu, parce que Bomba, c'est du bon argent, c'est dur, il a déjà beaucoup de gains, c'est pas une vraie championne, c'est une bonne jument qui va rentrer au Hara, qui va être saillie par Ready Cash. L'Inspi classique de femelle 2100, où elle est un peu moins performante au mois de février, prix de Vincennes, on sait qu'elle est en dessous, on va essayer de courir, si Mathieu, non, il a Brutus de Bailly. Mais, donc voilà quoi, c'est pas simple, voilà, ouais, déçu, bah oui, toujours déçu d'être battu, par cœur, on n'aime pas le voir comme ça. Petit cheval qui va atteler, qui va monter, on prépare le critérium, ça va l'endurcir. Déçu pour Bomba parce que c'est de l'argent, voilà, c'est à portée de main. Quoi. Il a fait le plus dur, Mathieu, il a sur une main, la jument, elle n'est pas facile. Il reste 200 mètres à faire, voilà, il ne faut plus bouger. Et puis, c'est comme ça, ce sont les courses. C'est comme ça, c'est pas un métier facile. Vous avez travaillé un petit poulain au début de la réunion également. Ouais, j'ai un cheval qui a bien travaillé, Bocador de Cime. Bocador a fait l'impasse depuis le mois de juin. C'est un grand cheval. C'est un cheval, un vrai français, un peu comme ça, longe jointé. Il faut être gentil dans ses articulations. Donc j'ai fait l'impasse sur le 2100, c'est la course de rentrée, si ça avait été un 2007 on aurait couru. Donc Pierrot il a travaillé aujourd'hui, j'avais travaillé lundi dernier à Vincennes. Il y a deux parcours dans les jambes, on prépare le critérium le 7 décembre, voilà. Il fait sa rentrée le 17, lundi prochain. Le cheval est bien. Il a plu à Pierrot, il m'a dit qu'il est un petit peu surhumain, mais Pierrot, il faut bien qu'il dise quelque chose. Il faut qu'il justifie son salaire de driver. Donc il a trouvé un tout petit peu surhumain, il faut bien que je charrie un peu. Mais le cheval lui a plu, il a bien fini, le cheval est bien. Non, le cheval se prépare bien. Voilà. Nico, à chaud, une explication sur la contre-performance? Non, aucune. J'espère que demain, on va voir plus clair, parce que là, comme ça, on ne sait pas. Aucune idée. Au 8, tout se passait bien? Ouais, Pierre a fait le 8 monté. Moi, j'avais l'autre attelé à côté. Ça avait l'air d'aller parfaitement. Il avait bossé cette semaine, c'était parfait. Vraiment, je n'ai pas d'explication. Aucune. Quant à Buckingham?
Buckingham, j'avais dit à Antoine de courir un peu plus derrière, qu'il ne se retrouve pas le nez au vent, qu'on ne fasse pas trop dur pour le 27, pour le plus urgent. Et derrière, il s'est sûrement endormi un petit peu. Et c'est pas le vrai cheval de la grande piste. Il faut qu'on court une catégorie en dessous pour qu'il prenne des meilleures allocations sur la grande piste. Not sure I understand.